connais à ce moment pour nous partager avec vous rubrique nous gain pour nous nous gain pour nous tenter la dernière temps ça na Bible là. Comme on connaît déjà rubrique ça produit par ministère défenseur de la foi chrétienne avec groupe écho de l'harmonie céleste. Bonne presse vite saluer tout directeur animateur de station radio qui prend ça à cœur pour diffuser rubrique ça de quoi pour auditeur payo capable tendre. Nous disons merci pour ça. Bon Dieu prend note de ça. Nous voulons saluer spécialement Radio Beraka avec directeur Joseph Doristil qui c'est frère Frank Doristil, tout ancien monde qu'on est dans Radio Lumière. Station ça a trouvé le Keskov, c'est station communautaire et yo branché avec nous. Nous saluons. Eh bien, nous saluons Radio Lao avec frère nous Joint, tout auditeur émission Émancipation Spirituelle yo avec ami nous Jean-Baptiste Marcellus que nous saluons. Nous pas oublier Radio de la guerre, Radio Télé La Promesse, nous apprendre Radio Les Élus qui du côté de la Floride. Nous saluons toutes et nous pas oublier Radio Bella FM avec frère nous Fèdre Junior Lacroix du côté de Belader. Et nous profiter saluer tout frère nous Lovely qui gagne émission passe rubrique là-dedans même pas oublier notre station. Nous souhaiter prochaine fois m'a capable saluer non façon qui plus correcte. Et ben nous toutes ces nous mettez à la patte pour nous prêcher l'évangile là, Jean bon Dieu voulait nous prêcher. Alors, on voulait encourager tout auditeur. Depuis ces études qui parlent de prophétie, tendez-le, c'est très important. Au moins, on est Radio Lumière 2, fait gain parenthèse eschatologique, docteur Gérald Guito, on déjà connaît gain prophétie biblique avec Oasis pour le pèlerin, avec professeur Jean-Clébert Bijoux. Comprenez bien, chrétien qui est intéressé à la prophétie, son chrétien cap milité tout bon pour gagner la vie éternelle. Lorsque ou connaît ça qui t'est passé, ou courant de ça qui a passé, ou comparé avec parole qui est dans la Bible, ouais, réalité a embagé, il est plus facile pour cœur convaincre, pour envahir par la crainte de Dieu. Parce que ou comprendre et ou réalité en face. Mais moun qui dit à servir bon Dieu, qui va bli informer, donc yo va bli konnen rien, pour eux même depuis à l'église, yo prier, yo voler, pomper, yo tande mot son message, délivrance, prospérité, psychologie. Ça suffit, c'est normal pour faible spirituellement et accepter rentrer dans n'importe sauce. Ça ou pas fait, ça ou pas prendre un petit temps pour analyser toute sa leader audio, yo valer le s'engraser parce que foi ou pas chita son ken base. C'est ça que fait m'do intéressé à la prophétie. D'ailleurs, son exhortation sérieux parole bon Dieu ba nous. Moins sûr que ou habitué avec verset A, moins l'île pour plusieurs fois déjà à travers rubrique ça, 2 Pierre 1 verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. La prophétie, apôtre Pierre considérait-le comme une lampe qui a brillé dans un lieu obscur. Parce que c'est ça pour faire froid pas ébranler. Dans le temps fait noir, épais, dans le temps de l'eau trouble, ça, que nous y a, eh ben, c'est la prophétie pour qu'il faut éclairer, pour qu'il faut comprendre. Et ça fait moi apprécier en pile tout prédicateur, tout leader qui intéressé à la prophétie. Faut que mon gars je cherche en pile pour observer bon Dieu, pour au courant de ça t'est passé, pour au courant de ça qu'a passé et pour elle gain rapport avec ça la Bible dit, pour amuser ou mais non vie droite et gauche et puis ça va dire rien. Ça veut dire son monde qui pas rien aucune honte, son monde qui atteint profondeur de Satan. Son j'aime dou me prend disposition pour marcher droite correctement avec bon Dieu à partir du moment moi comprendre réalité ma vie là son bagage qui décrit dans Bible là moi ouais bagage a fait en bagage moi étonné moi dit ah moment ça c'est pas moment pour mon jouer avec l'évangile si j'ai mettre l'ordre dans la vie nous corriger tout ce ça doit corriger qu'en volonté a bon Dieu a faire ça pour nous. Comme on connaît déjà, nous-mêmes, nous seulement présentons réalité. Soit ouais, professeur, docteur, à penser là, nous venons mener mais la fête en bâché là. Donc nous venons attirer attention. C'est ça que fait, nous inviter et nous encourager prédicateurs pour servir avec la prédication. Non, dernière rubrique que nous te présentons là, nous te utilisé un thème que nous estimons en pile monde qui est difficile pour comprendre. Nous t'as parlé de la Chine et que nous te dit, yo qualifié la Chine de dictature 2.0. Ça, son langage codé, sous pas comprendre. Eh bien, pour capable comprendre bien, font-ils parler de Internet?
parce que son thème qui venait à partir de l'Internet. En 1969, Internet, c'était tout simplement un réseau imaginé par l'armée américaine, universitaire et tout, qui qu'on utilisait, avec pour ambition connecter ensemble tout ordinateur à travers le monde. Pas bien, c'est à partir de 1980, Internet développé et que tout le monde devine capable d'utiliser. Bien entendu, il y a un peu de monde qui n'a pas accès à elle. En Haïti, c'est quelques rares monde qui ont accès à Internet. Moi-même, en 1980, je même connais l'existence de Internet. Alors, ce que je dans le secondaire, en 20 ans, dans l'année 2000, gros évolution fait toujours qu'on est là, il parlait de web 2.0. Ça veut dire nouveaux outils, navigation plus facile. Et l'autre aspect, c'est communication avec partage. On capable gon un document là, partager là avec quantité monde que blé. Qu'on est à tout monde qui a utilisé internet capable publier information. Qu'on est là, monde cap utiliser internet pas seulement de simples utilisateurs mais tout participer au contenu d'internet, c'est-à-dire que yo gen bay pa yo y a bété sur internet tout pour l'autre monde capable voir. Donc son champ extraordinaire qui ouvert. Ça veut dire internet yo gen autant de valeur que site web cap stocker contenu yo parce que web là qu'on y a là pas statique encore, ça veut dire fixe qu'on y a vin interactif. Ça veut dire il permet dialogue entre utilisateur là et ordinateur. Qu'on y a là on essaie comprendre bien les qualifier la Chine de laboratoire dictature 2.0. Si m'bien comprenne, la Chine évolue système ni à tel point où t'as quand même où elle semblait avec une démocratie, mais l'on garde en réalité, c'est une dictature féroce. Nous t'as dit un modèle de dictature qui gagnait plusieurs caractéristiques dictature qui pourrait établir la nouvelle ordre mondial là, ou bien gouvernement mondial là. Gouvernement mondial là, c'est pour une dictature. Mettez ça bien en tête. La Bible dit clair pour gagner un seul chef, cap diriger avec un faux prophète cap diriger toute religion. Ou capable ouvrir le moment où joindre l'autre pays qui pourrait le copier système chinois. Sans même américain par un compte, gen ti séquence cap entrer joindre yo la caillou par exemple surveillance des citoyens. Nous informer même gen replacé dans le gouvernement américain hein, qui était même voulu établir un système de surveillance. L'objectif pour capable contrôler maladie COVID-19 là. Ou elle, système chinois gen des caractéristiques que la Bible décrit qu'on va joindre dans le gouvernement mondial. Par exemple, surveillance totale, surveillance globale, personne ne peut échapper, monnaie unique, la Chine a travaillé sur ça sérieusement, un gouvernement fort, ou déjà comme ça, et puis, affaire mondiale, mettez sous côté. Il y a un pays qui persécute plus chrétiens, monde qui a parlé de bon Dieu, c'est la Chine. Bon, émission pas chita sur la Chine, mais nous avons l'autre bagaille qui est très important pour nous partager avec vous encore. Comme nous avons parlé de Internet, même tout était dans le même sujet. Je invite à suivre un petit reportage. Et les nouvelles technologies repoussent sans cesse les limites. Bonsoir Thomas. Bonsoir Anne-Claire. Alors vous allez nous parler d'un concept qu'on a encore du mal à imaginer. Bientôt, on pourra communiquer avec nos objets connectés rien que par la pensée, par le cerveau. Oui Anne-Claire, parce qu'aujourd'hui, on sait lire dans notre cerveau. Ce que vous allez voir s'afficher devant vous, c'est la dernière innovation d'une start-up française. Ce bandeau va se placer à l'arrière de votre crâne et il va être capable de décoder les impulsions électriques émises par votre cerveau. Et il va pouvoir vous permettre de contrôler des objets connectés comme un smartphone ou une tablette. Sans les mains, vous allez pouvoir ouvrir une application, écrire un message et l'envoyer à une personne par la simple force de votre pensée. Tous les géants du web travaillent sur cette technologie. Facebook, par exemple, promet bientôt de pouvoir taper 100 mots à la minute directement à partir de votre cerveau. Mais se balader toute la journée avec un bandeau sur la tête, ce n'est pas vraiment très pratique. Une solution invisible pourrait bientôt voir le jour, puisqu'Elon Musk, le patron de Tesla, a mis 100 millions d'euros sur la table pour développer ce type d'électrode, deux fois plus fine qu'un cheveu. La voilà, et on va pouvoir les implanter directement sur le cortex à l'intérieur de votre boîte crânienne, et ce afin de pouvoir parfaitement cartographier votre activité cérébrale. Et à quoi est-ce que tout ça va bien pouvoir servir ? Eh bien, l'armée américaine, Anne-Claire, suit de très près cette technologie. Elle imagine déjà un système où une personne puisse contrôler par la pensée et à distance une dizaine de drones en même temps, et ce depuis une base arrière, mais également depuis le terrain au cœur des opérations militaires. Voilà, bon résumé, reportage à vous, c'est vraiment important. Il y a une compagnie française qui développait un système, une sorte de bandeau électronique
de bon mettre dans tête tout, yon l'autre moun gagnien même baga la tout, ou pas besoin ouvert bouchou pour parler avec lui parce que pensez nous rejoindre, c'est-à-dire communiquer par la pensée. Extraordinaire, hein. Et à partir de bandeau ça, on capable contrôler matériel connecté. Maintenant, du mon ordinateur devant moi là, il pas connecté. Si m'gain appareil là la tête moi, contrôler ordinateur. À partir du moment où m'connecter ordinateur à internet, m capable contrôler. C'est-à-dire que m'ouvre ordinateur sans pas mal. M'vle écrit, m'nik penser, word là ouvert et puis m'nik à penser ça m'le écrit et puis et ouais moi bagarre là taper. Ob dit son zombie comme tapis bagayo. Mais non, c'est la technologie. Extraordinaire. Voilà ça. Mais, ça, c'est pas d'ailleurs. Si son appareil, bon, c'est d'acheter une, c'est une gueule là. Mais ça, c'est n'est que yon préparation qu'a fait. N'a pas le de Elon Musk, qui voulait mettre plus dans la tête monde. Nous, ça, bien longtemps déjà. Yon tout qu'il gagne 100 millions d'euros disponibles pour développement yon puce qui pif fait passer cheveux. Il est capable de mettre la tête tout directement côté que le doit placer pour capable li penser ou de pour gagner li ou pas besoin gagner bandeau ça que n'ta parlé ou là mais seulement pour que puisse sur la tête tout pour communiquer avec tout objet connecté et puis moun a capable communiquer avec moun sans parler. Ça fait déjà 7 ans depuis m'ta li article ça yo m'ta partager yo avec ou dans lumière réveil. Moi-même t'a demandé m ki j'en ai que pour le faire pour faire monde bli la passer l'autre monde. Mais n'a pas avancé vers réalité a, là. Et même l'm t'a parlé de puce RFID, en plus monde pas de bay valeur à ça n'a dit à travers rubrique ça nous répondre tendre dans dernier temps ça n'a vivre là. Mais qu'on est réalité a devant nous par un monde qui ka dit yo pas connaît. Ba connaît si gen pasteur k'ap continuer dit c'est la technologie. Là c'est pas seulement technologie. Son jeune d'ab dou tout projet mondialiste ça yo impliqué yon grand masse rébellion qu'ap met en place contre le Dieu tout-puissant. Est-ce que bon Dieu t'a créé l'homme pour te li dans penser yon l'autre l'homme? Mais non, c'est l'aime exprimer penser moi, l'aime dou ça m'envie dou là, les soir connait. Mais les hommes voulaient ou même créer un monde côté moun ka ni penser yon bagay, yon l'autre moun connait ça le penser. Qui c'est yon attribution du Dieu créateur tout-puissant. Donc les hommes a cherché ici au niveau bon Dieu. Même Satan pas qu'à lire la pensée nous. Mais avec technologie ça, moun pral lire la pensée l'autre. Kounya, est-ce que vous pral exiger tout moun pour prendre yon puce dans tête yo? Moko vin kwè ça, même kwè, yon pral exiger tout moun pour prendre puce dans corps. Parce que puce dans tête là, moi penser pral réserver à moun qui gen pile moyen, moun qui veut dominer yo. Songe m tap dou avec yon puce dans tête, ou capable gen tout programme mathématique qui existait. Ça veut dire moun nan tout non super homme. Donc m'pa kwè c'est n'importe moun yo, c'est tout moun yo pral bay ça. Mais ou capable vle ba tout moun yon puce encore yo pour capable contrôler yo. Déjà ou plusieurs gouvernements a exprimé ça et lorsque technologie a développé tout bon vrai puis ça rien doit n'importe côté encore et il permet yo li l'en passer. Ça veut dire ouais toute provision ça va fait lorsque le royaume antichrist ça va établi pour personne moun pas arriver défier. Et ça fait m'ba wè ki kote moun pral passer lorsque l'église là va enlever ou rete et vous dites que ou pral servir mon Dieu avec tout bagage ça k'ap mettre en place sans compter système infernal maléfique qui va le forcer à rentrer dans toute vie sauce. Qui Jean ou pas le faire volonté mon Dieu. Alors ce qu'on parle du Saint-Esprit mon Dieu. Avec vous. Bon Dieu pas marqué du saut puisque c'est 144 000 dans chaque tribu pour le marquer du saut. Réfléchis pour nous. Regardez monsieur, tu penses un bagage mais je suis le point pour réaliser ça ou tes pensées. Est-ce une pas bagage ou après aller vite, plus vite que tu as imaginé. En fait, semble c'est tout gouvernement qui prend la tise contrôler citoyen. D'ici 2025, chaque citoyen doit gagner une clé numérique qui va lui donner accès à tous les services de l'État et même services privés, tant que banque. Et cette identité numérique, ça va lui permettre à chaque Québécois de jouer un permis de conduire, dossier d'impôt, compte bancaire. Donc à ce moment-là, Québécois n'ont pas besoin de gagner un paquet de cartes d'identité dans le poche. Il y a plusieurs clés ça seulement. Il y a un projet pour déployer ce service ça sous 5 ans. Bon, à noter, on dit clé numérique. Bien entendu, nous connaissons exactement qui sa clé numérique ça y est, parce que m'ba j'en explication dans l'article là. Donc, nous devons ouais effort chaque gouvernement fait pour capable de contrôler la population. Yo. Et ça pas jamais qu'à aboutir à l'autre bagaille que yon dictature. Alors, ouais, l'un du modèle la Chine nan, a fait école, bien sûr, il a fait école. Nous avons osé dire, même gouvernement qui a dirigé nous là, en Haïti, prentis dans tout. Tenez bien, c'est pour la première fois depuis m'existé, m'tende, yon gouvernement prend un décret, côté tout le monde doit marcher avec cadre d'identification unique. Vous comprenez, ça veut dire, même si vous avez un passeport sous vous, si vous avez un cadre ça, non, mais vous, vous checkez,
yo pa jwenn ni, y a pa rete ou, il faut payer amende. Tandis que ou kapab gen l'autre 4 valable sou, tel que licence, 4 de presse. Pour que ça, exigence ça a porté sous 4 d'identification nationale unique. M comprendre 4 là important, gen transaction ou a faire besoin 4 là. Pour que ça gouvernement exige pour marcher avec tout côté pour aller, mais vont poser question mes amis. Rappelez-nous bien, son 4 à puce, yo dit nous ça et puce RFID là permettre yo suivre n'importe monde par internet. Est-ce que c'est pas tendancieux? Pendant font petit coup j'ai sous pays d'Haïti, gon décret gouvernement sorti qui fait parler en pile sous pas au courant me rappelle ça côté autorisé moun changer sexe Jean Ouvlé garçon qui a changé tête en femme et femme qui a changé tête en garçon. Remarquez pendant que gouvernement apprend décision drôle ça yo la mettez pression sous l'église là, comprenez bien pression sous l'église là parce que m'tendez gen conditions posées pour l'église réouvert porte yo. Il y a un bagage plus grave, c'est que mon courant que pasteur qui a collaboré avec le gouvernement, Bible mayo. Lorsque vous a collaboré avec yon moun qui a respecté bon Dieu, et bien par relation ou même tout respecté bon Dieu parce que ou en collaboration avec elle et probablement ou pas gen courage pour dire décision la prend ou pas bon. Et me pense leader chrétien yo doit lever la voix, yo doit protester énergiquement. États-Unis gen longtemps plus moun mouri passé nous. Voilà que toute l'église ouverte aux États-Unis. Comment gouvernement pas qu'à mander l'église yo pour ouvrir assemblée yo même à moitié? Est-ce que pas une volonté pour coincer l'église là? Est-ce que c'est une forme de persécution qu'a monté là monsieur les pasteurs nous en pile dans pays là pour responsabilité nous? Moi même pas pasteur n'est qui attire attention nous. Nous c'est des autorités établies sur le plan spirituel. L'État reconnaît nous. Puis là nous rete chita sous verset ça qui dit faut que nous soumettre aux autorités établies. Alors autorités établies ou met fait nous n'importe bagaille, nous baisser tête nous pas dire rien contre autorité bon Dieu lui-même. Nous-même nous c'est des ambassadeurs du Dieu tout-puissant, autorité bon Dieu supérieur autorité les hommes. Gère bagaille faut nous dire non, nous pas qu'à accepter. Ou accepter un petit bagaille, il y a faut valer gros bagaille. Jusqu'à ce qu'on tout fait. Nous sommes tous que le gouvernement chinois impose conditions pour l'église chinoise yo réouvert. Fais attention, nous arrêter là, nous l'église yo pas jamais ga ouvert parce que le gouvernement pose nous des conditions que nous pas doit accepter. T'allez à dire, sous pas d'accord marié, des garçons ensemble ou bien des femmes ensemble, l'église a pas qu'à fonctionner. Monde là vraiment chauffé. Laissez pas Moyen-Orient, c'est l'autre côté. Rappelez-nous bien, on a suivi Israël qui voulait prendre Cisjordanie pour lui parce que l'estimé territoire ça c'est pas le lié. Nous devons attendre mois de juillet pour nous connaître qui en ça a fini. Entre-temps, gagner l'Inde avec la Chine qui mettait main. Les Haïtiens dou deux moun mettait main, ça veut dire au mari goumen, coup de poing, coup de pied, manchette etc. voyez. Mais pour deux pays ça yo qui gen frontière commun, c'est zam gros zam kap tiré. Nous apprendre ça passe souvent côté affrontement dans une frontière que deux géants ça yo a revendiqué chinois avec indien. Mais fois ça ba la guerre est plus grave parce que plusieurs soldats indiens mouri dans affrontement ça. D'après commentaire yo, ça rien doit pas déboucher sous gros affrontement armé, mais faut ne pas oublier tous les pays ça ont des armes nucléaires et puis faut faire attention, Inde a rapproché on tient plus des États-Unis et l'a fait fort pour jouer un rôle régional. Donc on va jamais connaître à qui ça bagaille ça fini. Bon, nous les hommes y a bataille pour tout bon Dieu et pourtant on pas tenir compte que bon Dieu pas trop loin pour venir mander compte de tes ça maltraité, il a fait tout ça pas bon sous lui. Et le président chinois arrogant comme lui seul, monsieur mandé pour église yo ba louange pour qu'a réouvert. Lorsque administrateur religieux consulté autorité yo dans le mois de mai pour connaître qui l'église a
ouvert porte encore, il recevoir une liste conditions côté service doit consacrer sous la promotion de l'effet remarquable que la Chine a obtenu dans la lutte contre l'épidémie. Louer la façon dont Xi Jinping a supervisé le travail de prévention et de contrôle des épidémies, partager des informations sur le nombre de chrétiens morts aux États-Unis pendant la pandémie. Ça veut dire c'est de ça pour l'église parler, mais pas parler de bon Dieu. Ouais, ça me là. Ça veut dire parti communiste qui au pouvoir signifie que diable a gouverné pays. Rappelez-moi d'abord de nous, problème COVID-19 ça, ouais, il a fait tout le avec comme ça. Gen bagay de tout que nous pas connaît. Ça arrivé l'église chinoise pas jamais mauvais. Bon, nous pensons bon Dieu qui t'a fait comme ça pour nous-mêmes pour nous comprendre. Nous pouvons considérer la Chine comme un échantillon. Observez bien la Chine, ou avez une idée de qui Jean gouvernement mondial là pour allier. Frère Maxime, m'espérer rubrique ça ba ou des idées. M'espérer bravo, on a continué chercher force parce que Jésus-Christ dit nous, faut que nous ayons force pour nous capable échapper à toute bagaille qui pral venir. Donc nous-mêmes nous obligé dit à toute bagaille qu'a fait là parce que nous ouais, il a déroulé en bas genou. Ça Bible a dit et ça nous est qu'a déroulé. Donc pour nous ayons force ça, pas négliger la prière nous. Jour approché, bravo, faut nous kembe plus fort. Et ou même qui pourquoi recevoir Jésus-Christ comme sauveur personnel ou encore une occasion pour faire ça. Sous temps de rubrique ça, ou réaliser ça nous dit, c'est vérité, et mais pas perdre du temps. Pas comporter comme lièvre pour perdre du temps, mais intelligent, pressé pour Jésus-Christ. Si c'est volonté, mon Dieu, n'a qu'à rencontrer encore pour l'autre rubrique. Mais ça nous souhaitait de tout cœur, c'est que trompette là, t'a sonné, et bien tout aller quitter monde ça, qu'a bien de plus en plus compliqué pour nous. Soit qu'a passé dans le pays la Chine, nan, c'est ça qui va le passer dans tout le monde là. Nous allons rire, mais ça va arriver. Déjà, ou gagne un candidat dans un grand pays qui déclaré s'il vient président, l'a metté chrétien qui pas voulait accepter programme LGBT yo dans liste terroriste. Pays qu'on a voyé missionnaire tout côté ou, un candidat dit ça. Ou à comprendre. Plutôt Jésus-Christ retourne, il vient chercher nous, la pi bon pour nous. Mais s'il pourquoi décide de retourner, depuis ses volontés, n'a pas encore pour nous présenter une nouvelle rubrique. En attendant, ben nous pour souhaiter un bon samedi, un bon week-end, qu'on be ferme avec Jésus.